Good morning, à l'Aïdan, les Suisses, aujourd'hui, le Nishmat Avram, Chayin Orberman, Fortuna Mazal, Yedid Abet Esther, Yaakov, Nisim, Enchanaim, Achlouf, Micha, Ben Masouda, si vous souhaitez aussi dédier nos prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Ketout, Père Gimel Mishnachet, Veod, She'alan, Rabbi Akiva, Eder Amedouldal, Babehema, Mahou, Amroulo, Lo Shamanu, Aval Shamanu, Beder Amedouldal, Ba Adam, Shehu, Tahor, Shekachayum, Keshrin, Birushalayim, Osin, Olech Lo, RF Pesach, Etzel, Arofe, Vechotcho, Ad Shehu, Maniach, Boka, Seora, ותוכבו בסירה, והוא נמשך ממנו. והעלה עושה פסחו, והרופא עושה פסחו. ורואין אנו שהדברים קל וחומר. On a fini, Baruch Hashem, les sujets assez complexes, des incestes tout bizarres, pour reprendre un cours normal de Mishnayot, Bezrat Hashem. Avec, à présent, dans la Mishnah précédente, on avait vu que Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, était parti voir Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua quand ils étaient partis à la boucherie pour préparer la réception du fils de Rabban Gamliel qui se mariait. Et du coup, Rabbi Akiva, quand il les a rencontrés là-bas, il leur a posé toute une série de questions. Et ça va faire l'objet encore une Mishnah, ouais, une Mishnah, et puis après, il y aura encore d'autres témoignages de Rabbi Akiva qui posaient d'autres questions à d'autres rabbanim. D'accord? Donc, Ve'od She'alan Rabbi Akiva. Encore, il leur a posé aussi une autre question, Rabbi Akiva. Vous imaginez, vous faites vos courses, vous êtes au supermarché. Vous êtes en train de chercher quelle viande, et il y a quelqu'un qui vient qui me pose des questions, un sur un cas d'inceste, qu'il a fallu qu'on passe un cours pendant un quart d'heure à présenter le cas, et à présent une question aussi vraiment pas évidente de l'chotum avetahara. C'est ça les chachamim, ils utilisent toujours leur tête, ils sont toujours dvukim batora, même quand ils vont faire les courses. Bonne leçon de moussard, si aussi vous avez mérité, pendant que vous marchez dans la rue, de temps en temps, d'avoir une petite pensée de Torah, la tsum, c'est énorme. En tout cas, Rabbi Akiva, il leur a dit, Ever Amedouldal Babehema Mahou. Il leur a posé une question. Ever Amedouldal, un membre qui pendouille. Babehema, chez un animal. Mahou. Quel est son statut? C'est-à-dire, un animal vivant, il est pur, il véhicule aucune impureté. Stam. On en parlera encore à la fin de la Mishnah pour le Kalva Chomer, justement. Dans les êtres vivants, il n'y a que l'homme juif qui véhicule une impureté. Un homme juif, c'est le seul qui peut devenir impur et communiquer son impureté. Un goy. Minatora, il n'est jamais impur tant qu'il vit. Et idem aussi pour un animal. Un animal ne reçoit pas d'impureté. Lorsqu'il va mourir, il va diffuser une certaine impureté s'il n'a pas été égorgé, s'il est devenu Nevela. D'accord? C'est-à-dire qu'il est mort naturellement sans Shrita. Alors il va véhiculer l'impureté de Tumat Nevela. C'est une impureté. Maintenant, un animal vivant, si un membre de lui qui se fait arracher, il a un pied qui lui part, on lui coupe un pied pendant de son vivant même, ce membre-là véhiculera lui aussi une impureté de Nevela. Ok, on en avait parlé longuement, il me semble que c'était dans ma Masechet Chulin, où on apprenait plusieurs cas de figure et tout ça. Pour notre propos, ça suffit simplement de dire que si un membre entier, ça véhicule une Tumat Nevela. La question de Rabbi Akiva, elle est maintenant comme ça. Un membre qui pendouille, c'est-à-dire que il s'est coupé le bras, la jambe par exemple, mais pour le moment, c'est encore rattaché avec un petit bout de chair ou même un petit bout de peau. J'imagine que c'est la même chose. Il n'a pas été complètement sectionné, il est encore rattaché tant bien que mal. Et la question c'est, est-ce que maintenant, ce membre-là, qui ne recevra plus de vitalité du corps, il s'appelle qu'il a déjà été, qu'il est déjà mort, il a déjà été coupé, donc il véhicule une impureté même s'il est encore rattaché à l'animal, ou bien non, tant qu'il n'a pas encore été complètement déconnecté, eh bien il véhicule encore une impureté. Amroulo, ils lui ont répondu, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qui faisaient leur course chez le boucher, ils lui ont répondu, Lo Shamano, on n'a pas eu d'enseignement clair sur ce cas de figure, Aval Shamano Bever Amedouldal Ba'adam, par contre, on a entendu un cas similaire à propos d'une autre impureté, l'impureté des hommes, où il y avait un membre qui pendouillait chez un homme, chez Hutaor, et on a appris dans cette halakha, que ce membre-là, il est pur, parce qu'il n'a pas encore été déconnecté. Je saute toute la Mishnah pour vous dire, pour lire la fin, qui va me dire, « V'héroïn anouch, advarim kalva chomer. » Et il en va de même, qu'on peut déduire par kalva chomer, par a fortiori, qu'il en va de même pour le membre de l'animal qui ne véhiculera pas pour le moment d'impureté. C'est-à-dire, j'explique d'abord, on fait une petite pause, j'explique le principe, l'idée, elle est comme ça. On va démontrer qu'on a eu un enseignement avec un témoignage bien clair que chez les hommes, eh ben, quelqu'un qui s'est coupé le doigt, mais que pour le moment, le doigt, il est encore rattaché avec un petit bout de peau, il n'a pas encore été déconnecté,
il ne véhicule pas d'impureté. L'impureté chez l'homme, cette fois-ci c'est plus Tumat Nevela, c'est Tumat Met. Un homme qui meurt, il véhicule une très grave impureté de Tumat Met. Lorsque c'est un membre de l'homme entier qui est arraché, alors il véhicule aussi une impureté un petit peu nuancée que la Tumat Met, mais très violente. Très très violente. Maintenant on a une halakha qui nous dit, si toutefois il s'est coupé le doigt, Hashem Yerachem, mais le doigt il n'a pas encore été déconnecté complètement, il n'a pas encore été décollé complètement. Ouais. Et il est encore attaché, et bien ce doigt-là, pour le moment, ne véhicule pas d'impureté. Et du coup, on va sauter le développement avec l'histoire pour le moment, et ils vont dire, ben regarde, l'homme juif qui véhicule une impureté, donc un homme qui est vivant, il peut recevoir une impureté. Et malgré tout, l'impureté du membre déconnecté, il reçoit pas pour le moment, il ne véhicule pas d'impureté par ce membre. Ce membre-là est pour le moment pur. Si l'homme qui est plus à même à recevoir une impureté, malgré tout, tu me dis que le membre qui est rattaché, le véhicule, pour le moment, n'a pas encore été impurifié, à plus forte raison, l'animal qui reçoit plus difficilement l'impureté, puisqu'il ne reçoit jamais d'impureté pendant qu'il est vivant, à plus forte raison que le membre qui n'a pas encore été détaché totalement, ne véhiculera pas non plus d'impureté. Voilà pour le développement par fortiori. Maintenant, d'où vient cette source, à propos du doigt ou du membre de l'homme qui n'a pas encore été arraché complètement, qui ne véhicule pas d'impureté, d'où on le sait? Alors je reprends maintenant... ce qu'ils ont dit. Amroulo, ils ont répondu. Lo shamanu, ce cas-là spécifiquement de l'animal, on ne l'a pas entendu. Aval shamanu bever medulal madam. Par contre, on a entendu par un cas similaire. Un membre qui pendouille chez un homme, chez Hutaor, que ce membre-là, il est pur. D'où je sais qu'il est taor. Chez Kar, ayu mukeshrin de Rushalaim osim. Car ainsi procédaient les mukeshrin, littéralement les lépreux, à Yerushalaim, ils faisaient. En fait, on ne parle pas des lépreux avec la lèpre de la Torah, la Sarat. On parle d'une autre maladie. Je crois qu'en français, c'est la gangrène, un truc comme ça, où il y a des membres, enfin, shalom, des membres qui meurent et qu'il faut ensuite couper. Ouais, il y a des membres, c'est une maladie qui fait que le doigt va sécher, et puis il va tomber, après un autre doigt, et puis après la main. Je ne sais pas exactement comment, je ne sais pas si ça existe à notre époque, en tout cas. Mais il y avait, donc, ces mukeshrin à Yerushalayim, ils procédaient de la sorte, lorsqu'ils voulaient manger le korban pessah, on devait se retrouver en famille, et puis il y a le cousin qui avait cette terrible maladie affreuse qui devait venir. Vous imaginez bien que c'était pas agréable d'être à table avec quelqu'un qui a des membres qui pendouillent. C'est assez, on préfère quelqu'un qui a une main amputée plutôt qu'une main qui vit plus, qui a moitié coupée. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait. Alors là, ils avaient un grand problème. Ils étaient confrontés à un grand problème. Que s'il va se mettre à couper la main ou le doigt, eh bien ça, cette main va véhiculer une impureté. Or, si elle va véhiculer une impureté, eh bien il va devenir impur. Il ne pourra plus manger le corban de Pessah. Il ne pourra plus se retrouver en famille. Lui, il ne va plus pouvoir manger le corban de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, Holech lo erev Pessah et tsel harofe. L'habitude, elle était comme ça. Il partait la veille de Pessah chez le médecin, le docteur, vechotro, et le docteur coupait le doigt, mais pas complètement. Adchiu maniach bokaseora, jusqu'à qu'il lui laissait rattacher une petite liaison encore d'une épaisseur de 1 seora, un grain d'orge. D'accord? Pourquoi? Parce que le docteur, d'abord lui-même, il ne voulait pas non plus devenir impur. Il doit lui aussi manger son corban pessah, pas question de devenir impur. Et lui non plus, il ne veut pas devenir impur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui coupait le doigt en lui laissant un tout petit peu quelque chose qui le rattache. Et après, vetochavo besira. Après, il le plantait avec une épine, une aiguille. Et ensuite, et il lui disait, donc il lui rattachait le doigt sur un meuble ou sur un truc. Et vas-y, tire. Et il tirait d'un coup. Vehu nimshach mimenu. Et il. Et par ce procédé, alors, Vunim Charmenu, il se faisait tirer de lui, donc il se faisait détacher. Et il s'avérait que finalement, Vehala Osepisro, Verofe Osepisro. Et celui-ci, il pouvait faire son corban pessah parce qu'elle n'a pas été impurifiée. Parce qu'au moment où le membre se détache d'un coup, eh bien, il s'avère que sa main n'a pas touché le membre une fois qu'elle a été détachée. S'il traîne pour le détacher, la gamme précise. S'il traîne pour le détacher, alors il y a eu un contact. Au dernier moment où ça a été déconnecté, il y a encore un contact. S'il fait l'action doucement de détacher le doigt. Doucement, donc il va s'avérer qu'il va avoir un contact entre la main et le membre. Mais s'il le fait d'un coup, il l'arrache, alors il n'a pas, lui-même n'a pas été impurifié. Et le médecin lui-même ne s'est pas impurifié, puisqu'il n'a pas coupé le doigt totalement. Et donc du coup, et chacun pouvait faire son corban pessah. Donc tu constates de là que le membre qui n'a pas été détaché ne véhicule pas d'impureté pour le moment. Héroïne, anouche, advarim, kalwa chomer. Et il me semble qu'il faut déduire, par a fortiori, qu'il en va de même pour le Ever Minachai, pour l'animal, le membre de l'animal, étant donné que le, comme on expliquait, que l'animal est moins
a même à véhiculer l'impureté, donc à plus forte raison que le membre qui n'a pas encore été attaché, qui ne véhiculera pas l'impureté. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzachakol, tout ça.